Vous ne pouvez pas vouloir gagner et ne pas vouloir investir. Ça n'a pas de sens. Et c'est ça le problème des gens. C'est qu'ils veulent gagner sans investir. Ça ne marche pas. Vous pensez que l'argent, il va commencer comment? À éditer des livres pour enfants. Comment on a fait pour commencer à éditer des agendas, des planificateurs? Comment est-ce qu'on a fait? On n'a pas commencé par ça. Aujourd'hui, nous sommes à deux livres pour enfants qui sont en cours d'édition. Nous sommes à deux agendas qu'on a édités. Comment ça s'est passé? C'est parce qu'il y a eu des clients qui sont venus nous voir et nous ont dit, Valère, argent libre, on voit que vous éditez des livres. Est-ce que vous éditez aussi des agendas? Mais bien sûr qu'on le fait. Bien sûr. Est-ce qu'on savait le faire? Non. C'est quand ils ont payé qu'on allait chercher comment on fait. Et on a trouvé comment on fait. On les a satisfaits. Et du coup, on a pu diversifier et augmenter nos prestations. Diversifier nos prestations. C'est de ça qu'il s'agit. C'est l'information. C'est l'information qui transforme. Attendez, je vais vous faire écouter une autre voice. Pour les totos qui disent que, oh, c'est le bavardage, oh, les livres ne servent à rien, oh, les formations ne servent à rien. Attendez, attendez, attendez. Attendez, je vous fais écouter un autre voice. Ça, c'est le voice de Sandro, Blood. Blood m'envoie un message, il me dit, Valère, j'ai perdu beaucoup d'argent. Il me dit, Valère, c'est en lisant ton livre, un pied à l'école, un pied dans le business, que je me suis rendu compte que je perdais beaucoup d'argent au quotidien. Oui, attendez, je vous fais écouter son voice. Il m'a dit que, Valère, je perdais trop d'argent. Parce que chaque fois, les clients venaient me voir, ils me disaient, Blood, tu as tel livre? J'ai dit, non, je n'ai pas. Tu as tel livre? J'ai dit, non, je n'ai pas. Attendez, attendez, attendez. Je vais vous faire écouter son voice. N'écoutez pas les totos qui vont vous dire que non, les formations, c'est le vent, ça ne sert à rien. C'est qu'eux-mêmes, ils n'ont pas compris. Parce qu'une seule information que dont vous bénéficiez dans ce livre peut transformer tout votre business. Je parle en connaissance de cause. Voilà, attendez. Voilà le témoignage de Lavoisier. Parce que quand on parle, vous croyez que c'est le vent. Ça, je le confirme. Les années antérieures, je vendais les livres dans une librairie et je gagnais plus sur les produits qu'ils n'avaient pas. Comprenez même, là ce n'est plus moi, c'est Lavoisier qui le dit. Il a écrit en commentaire, voilà. Donc, c'est-à-dire, il gagnait plus sur des produits qu'il n'avait pas. Parce qu'il gagnait trois fois plus son salaire. Et les parents étaient tellement reconnaissants. Et aussi, ça fidélise les clients de la librairie. Et si vous comprenez même, la vente, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le hasard. Et, c'est-à-dire, on a une chance, je ne vais pas dire vous, parce que moi, j'ai la chance. On a une chance aujourd'hui qu'il y a des aînés qui ont de l'expérience et qui ont accepté de mettre en place des formations pour dispenser, qui ont accepté d'écrire des livres, partager leur expérience. Et ils vous mettent ça à votre disposition, vous ne lisez pas, parce que vous dites que ça ne sert à rien. C'est que vous n'avez pas compris où vous êtes. Vous n'avez pas compris. Je dis et je répète, un livre comme celui-ci, une information, tu n'as pas besoin d'avoir 10 000, une seule information suffit pour donner une toute autre direction à ton business. Moi, l'information que je vous partage là, comme quoi, oui, la promotion est finie, Lamine. La promotion, c'est jusqu'au 3 juillet. Quand c'est fini, c'est fini. Quand c'est fini, c'est fini. La promotion, c'était jusqu'au 3 juillet. Franchement, l'avoir mis à 5 000 pendant 7 jours, celui qui n'a pas pu bénéficier, c'est que vraiment, ça ne l'intéresse pas. Parce qu'on te met un livre comme celui-ci à 5 000 et tu trouves que tu n'as pas l'argent pendant 7 jours, c'est que tu dois encore aller travailler. C'est tout. On ne peut pas faire plus que ça. Si pendant 7 jours, on met une promotion sur un livre comme celui-ci, 50%, 5 000, 5 000, et tu estimes que tu n'as pas pu tout prendre, tu n'as pas pu l'avoir pendant 7 jours, ça veut dire que ce n'était pas très important pour toi, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est 10 000, il n'y a plus de promotion. Si vous ne nous contactez pas, si vous n'avez pas 10 000 ou 30 euros, ça ne sert à rien, parce que c'est 10 000 maintenant, c'est terminé. Donc, je suis désolé, Lamine, si tu as loupé la promotion, ben, tu as loupé. Voilà, c'est comme ça. Donc, je vous fais écouter le voice de Sandro. Vous faites écouter le voice de Sandro pour puissiez comprendre que l'information, c'est la clé, c'est pas le vent. J'espère que je vais retrouver. Non, c'est pas ça. Ok, je vous fasse écouter. J'avais de l'argent, mais j'étais pas à la Lomé en ce moment. C'est dommage, gars. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, gars? Si tu n'as pas pu être à Lomé, je suis désolé, hein, mais on peut pas aider plus que ça. On ne peut pas. On ne peut pas aider plus que ça. J'ai envie de vous dire que. Un livre comme celui-ci, 5 000, on ne gagne pas d'argent lorsqu'on vend un livre à 5 000. Un livre comme celui-ci, lorsqu'on le vend à 5 000, on ne gagne pas d'argent. On ne peut pas aider les gens plus que ça. On ne peut pas. On ne peut pas faire plus. Si on met un livre à 5 000, quelqu'un ne peut pas, on ne peut pas faire plus. Maintenant, c'est 10 000. Et je te rassure sur le fait que même en achetant ça à 10 000,
tu auras vite fait de rentabiliser tes 10 000. Rapidement, c'est un investissement. Moi, j'ai dit que lorsqu'on achète un livre, lorsqu'on achète une formation de quelqu'un qui a un type de résultat, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Donc, investis. 10 000, tu investis. Le problème des gens, je vais vous dire comment les gens raisonnent. Moi-même, je raisonnais comme ça. Donc, ne croyez pas que quand je dis que les gens raisonnent, moi-même, j'étais comme ça. Le problème des gens, c'est qu'ils veulent gagner beaucoup sans investir beaucoup. Ce n'est pas possible. Même pour ceux qui sont en trading, ils savent que si tu veux gagner beaucoup, tu dois prendre beaucoup de risques. Tu dois investir. Alors que là, ce n'est même pas un risque que tu prends en achetant un livre. Ce n'est même pas 10 000. Ce n'est pas un risque. Tu veux devenir millionnaire et 10 000 pour acheter un livre, tu réfléchis. C'est que tu dois encore revoir ta définition de millionnaire. Tu n'as pas envie de devenir millionnaire. Impossible. Impossible. 30 euros, tu dis à quelqu'un que tu veux devenir. Quelqu'un te dit qu'il veut devenir millionnaire. Il veut devenir riche. Il veut devenir millionnaire. Et tu lui dis qu'un livre coûte 30 euros. Tu lui dis qu'un livre coûte 10 000. Il réfléchit. Il réfléchit. C'est que ce ne veut pas devenir millionnaire. C'est la bouche. Il parle seulement avec la bouche. Il parle avec la bouche. Parce que je parle. Moi-même, j'étais comme ça. Jusqu'à ce que je comprenne que même la nature ne peut pas être d'accord avec toi. J'ai copié le lien après le live, je le prends. Non, il faut le prendre maintenant, pas après le live. Parce que quand le live va finir, il y a la famille, il y a les enfants qui vont chauffer, la tente, c'est le temps que tu perds. Et le money love speed. L'argent aime la rapidité. J'ai dit dernièrement que notre temps sur terre est très très court. C'est très 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 court. Quand tu dois faire quelque chose qui a de l'importance pour toi, fais-le maintenant. Pas les choses que je vais faire demain. Non, fais maintenant. Moi, quand je veux lancer un projet, je ne lance pas un projet pendant 100 ans. Ça ne sert à rien. Je lance tout, l'idée me vient. Demandez à ceux qui sont dans la communauté des chercheurs d'argent. Tu veux le livre au Maroc, il faut contacter Nare Moumouni. C'est Nare Moumouni qui s'en occupe. Je t'envoie le numéro de, je mets le numéro de Nare Moumouni dans le chat. Tu le contactes et lui pourra te gérer ça. Nare Moumouni. Je vais mettre le numéro de Nare Moumouni dans le chat. Première marche au million, je frappe mon cerveau. Oui, c'est ça. Vous ne pouvez pas vouloir gagner et ne pas vouloir investir. Ça n'a pas de sens. Et c'est ça le problème des gens. C'est qu'ils veulent gagner sans investir. Ça ne marche pas. Même pour aller au paradis, tu dois prier. Même pour aller au paradis, il faut à un moment donné que tu achètes la Bible. Tu lises pour comprendre comment on fait pour aller au paradis. Et donc, tu ne peux pas dire que tu veux gagner des millions, tu n'es pas prêt à investir. Ça, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas possible. Vous devez investir. Vous devez même perdre. Si tu veux gagner des millions, tu dois être prêt à perdre des millions. Oui, c'est comme ça. Et pas autrement. Donc, détrompez-vous. Si quelqu'un n'a jamais investi même 500, même 1000 francs, même 10 000, même 100 000 dans un business, qui ne pense pas qu'il peut devenir riche un jour, c'est impossible. Donc, je vais mettre le numéro de Nare Moumouni dans le chat. Et vendre, c'est la première compétence de tous les riches. Notez ça dans le chat. Vendre, c'est la première compétence de tous les riches. Parce qu'après qu'on ait fait des formations sur l'intelligence financière, le développement personnel, le truc, après le but, si tu veux gagner de l'argent, si tu veux générer des profits, tu dois vendre. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. C'est en vendant un produit ou un service. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on n'est pas me dire que ouais, je vais devenir millionnaire, mais je ne peux pas investir. On te dit, attendez un peu. Tu veux devenir millionnaire, tu es sûr. Et tu ne peux pas investir 10 000 pour acheter un livre. Tu ne peux pas payer 30 000, 100 euros pour suivre une formation. Et tu veux devenir millionnaire. C'est un truc, c'est du non-sens. C'est du non-sens. Je suis au Gabon, je veux le livre. Oui, je suis au Cameroun, je fais comment? Je vais remettre le numéro pour le Cameroun. Je mets le numéro dans le chat. Hein? Je pense que je vais copier-coller tous les numéros là. Je vous envoie. Attendez, je vais appeler ma collaboratrice. Elle va mettre tous les numéros dans le chat. Comme ça, vous aurez tout. Vous aurez tout dans le chat. Vous pourrez tous les contacter. Attendez, quelqu'un va vous mettre dans le chat pour qu'on puisse pas nous couper dans notre live. Quand on parle des choses importantes comme ça, on ne doit pas nous couper. Parce que c'est ce que je suis en train de vous dire là. Moi, j'ai mis 5 ans pour le comprendre. 5 ans pour comprendre que tu ne peux pas vouloir gagner des millions et ne pas être prêt à investir au moins 1 million. Impossible. Je vais vous parler vite fait un peu du projet qu'on a lancé au Sénégal, ALK, Argent Livre Car, Société de Location de Véhicules. Le livre est déjà au bois. Oui, le livre est déjà au bois. Oui, bien sûr. Attendez, je vais appeler Nelly pour qu'elle vous mette tout dans le chat. Attendez. Elle va mettre le nom de tout. Comme ça, on ne nous coupe pas dans notre truc. C'est un truc que, quand il pense ça, ça m'énerve. J'ai mis 5 ans pour le comprendre. Si j'avais compris ça plus tôt, je serais beaucoup plus loin. Tu peux gagner des millions. Qu'est-ce que je veux être un millionnaire? Oui. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux mettre dans le chat de... Là, comme j'ai refait le live, là. Tu mets le chat, les noms et les numéros des référents en fonction du pays. Oui, comme ça, c'est celui qui veut au Congo, au Maroc, machin, il contacte le numéro directement. Oui, s'il te plaît. Merci.
Voilà. Je disais qu'on va vous mettre le numéro dans le chat, comme ça vous allez pouvoir avoir accès à tout ça. Donc, je ne comprends pas les gens. Je ne comprends pas les gens. Tu dis que tu veux quoi? Tu veux être millionnaire? Eh Dieu, tu ne veux pas. Tu bavardes seulement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bavards dans les histoires qu'on appelle business ici. Quand on parle d'entrepreneuriat, il y a beaucoup de bavards. Beaucoup de gens qui vont vous dire que non, il faut. Pourquoi vous dites demain? Il faut s'engager maintenant. Je ne comprends pas les gens qui disent demain. Demain comment? Contacte le numéro maintenant. Tu payes maintenant, comme ça tu n'as plus d'excuses. Demain, tu pars seulement chercher le livre. Je vais vous dire comment je raisonne. Attendez, je vais vous dire, parce que vous pensez peut-être que c'était comme ça que je fais. Quand on a voulu lancer le projet Argent Livre Car, le projet de location de véhicules au Sénégal, on avait besoin d'un capital de 6 millions de francs CFA. Honnêtement, 6 millions, ce n'est pas énorme. Je vous le dis. Peut-être pour certains, 6 millions, c'est énorme, mais 6 millions, ce n'est pas énorme. C'est pas un numéro de téléphone, c'est un demi-numéro de téléphone, 6 millions. Donc, parce que je voulais que ce soit un projet qu'on lance dans la communauté des chercheurs d'argent, qu'on lance ensemble. Donc, pendant qu'ils réfléchissaient, ils disaient non, il faut qu'on réfléchisse d'abord sur le projet, on va faire un mois, machin. Tout le monde leur a dit, vous savez quoi? Pour 6 millions, on ne va pas commencer à réfléchir pendant 100 ans. Si c'est deux personnes qui sont prêtes, on lance le projet là dans 12 jours. Et les 12 jours, ce n'est pas que c'est l'argent, hein. C'est qu'il y a des problèmes logistiques qui ne dépendent pas de nous. La carte grise, ça ne dépend pas de nous. Le véhicule qu'il faut trouver, ça ne dépend pas de nous. Donc, c'est pour vous dire que non, on veut devenir milliardaire, on n'a pas le temps à perdre. Il faut aller vite. Money love speed. Oui. Là, on a dit on a 12 jours maximum. Celui qui n'a pas envoyé son argent passer le délai, on le met, on l'éjecte du groupe. Et c'est ce qui s'est passé. En 12 jours, on a lancé le projet. Les 6 millions étaient à poser.